Je m'appelle Flavia Macías, je suis professeur à l'Université de Buenos Aires, à l'Instituto Ravignani et le CONICET. Je suis historien, donc mon projet de recherche sur l'histoire de l'Amérique latine, en particulier l'histoire argentine du 19e siècle. La violence politique est mon sujet de fait. Ça c'est le sujet que je travaille il y a beaucoup de années. Et cette mobilité, l'origine de cette mobilité est la relation académique que j'ai avec Madame Véronique Ebrard. Véronique Ebrard est professeure de l'Université de Lille. On a commencé à travailler quelques années avant, quand elle a été invitée pour l'Université de Buenos Aires pour donner un séminaire ici. À partir de ce moment, on a commencé à penser les possibilités pour organiser un échange académique entre l'Université de Buenos Aires et l'Université de Lille. La mèche a été clé pour cette idée, pour ce projet. D'une partie, j'ai donné quelques cours, J'ai eu la possibilité de partager avec les étudiants de l'université ma recherche, un chapitre que je viens d'écrire pour un livre qu'on a coordonné avec Madame Ebrard, j'ai le livre ici, Milice et Garde nationale. La mèche a soutenu ce livre aussi. Cette activité a été magnifique. D'une autre partie, on a organisé aussi un colloque international. On a partagé avec beaucoup de collègues de l'Europe et de l'Amérique latine une très, très importante discussion sur les sujets de la violence politique dans la vie politique de l'Amérique latine du 19e siècle. On a fait quelques comparaisons entre les différentes nations, la Colombie, Venezuela, Argentine, Uruguay, etc. Et aussi, on a commencé à discuter cette possibilité d'organiser un projet avec un groupe international de professeurs, de différentes personnes qui travaillent à différentes universités de l'Europe, de l'Amérique latine. Pour ouvrir cette discussion dans une perspective atlantique. Et le projet a commencé maintenant, mais j'espère qu'il va continuer bien. Ce séjour a été clé pour ma recherche en particulier. Je travaillais beaucoup à la bibliothèque de l'Université de Lille, qui a été formidable. J'ai trouvé beaucoup de livres et d'articles qui maintenant sont très importants pour développer mon sujet. J'aimerais remercier à la MESH cette possibilité de l'immersion à l'Académie française, parce que c'est très différent quand tu partages une recherche ou quelque activité par Zoom, mais quand tu es dans l'université, tu peux partager avec les étudiants, les professeurs, les collègues. En personne, le résultat est très différent. De fait, mon sujet a changé beaucoup. Après cette séjour, je pense que ce type de soutien à la mobilité que la MESH coordonne sont très importants aujourd'hui pour l'Académie française, pour l'Académie européenne et aussi pour l'Académie de l'Amérique latine.
Merci beaucoup. Ah bon, une chose très intéressante. Quand j'arrivais la première fois à l'université de Lille, il y a beaucoup d'étudiants avec quelques pamphlets, oui, de réunions, d'une assemblée, que sais-je. Donc j'entrais à l'université et à ce moment, je dis, bon, je vais recevoir mon pamphlet. Non, je ne recevais rien parce que le pamphlet a été pour les gens, non pour les professeurs. Donc, oh, je suis très vieille, je ne peux recevoir rien de pamphlet parce que bon, ça a été très drôle. On a parlé beaucoup de ces situations avec Véronique Eprard, ma collègue. Et bon, que sais-je, situation comme ça, mais tout a été parfait.